Bienvenue à tous. Avec l'explosion d'Internet, l'accès à l'information est devenu rapide et facile. La profession de journaliste a donc dû évoluer, notamment en ce qui concerne l'information scientifique. Dans ce contexte, un groupe de reporters belges a précisément réussi à s'adapter à la révolution mobile et numérique. Je vous propose un petit voyage en compagnie de passionnés, au cœur d'une rédaction scientifique 100% web. Bonjour. Je m'appelle Christian Dubrulle, je suis journaliste scientifique, je m'intéresse beaucoup aux sciences et j'ai travaillé pendant de nombreuses années au journal Le Soir où je m'occupais de la rubrique scientifique. En quittant le journal, la passion des sciences était toujours là, alors je me suis demandé mais que pourrais-je faire pour continuer à communiquer, à mettre en valeur ce que la recherche belge produit. Eh bien, ça a donné dailyscience.be, un site internet qui diffuse chaque jour de l'information scientifique. Ma journée commence, suivez-moi. Voilà, arrivé, un peu en retard, j'espère qu'ils sont tous là. Pas de lieu fixe pour la rédaction. Ce matin, réunion dans un café du centre de Bruxelles avec une brochette de journalistes tout aussi passionnés que lui. Venez, je vais vous présenter l'équipe. Alors nous avons Camille qui est une journaliste. Élise est biologiste en réalité. Jean est médecin en fait. Michel est notre graphiste webmaster, c'est voilà, le look de Daily Science. Raphaël est lui notre lecteur de service. Et enfin Violaine qui est journaliste, qui collabore depuis le début de Daily Science. Toutes les sciences en fait nous intéressent, l'astronomie, la chimie, la physique, etc. Ça peut être une découverte qui a lieu dans nos labos, ça peut être des chercheurs qui publient un article dans une revue internationale. On va reprendre quelques cafés, si vous voulez bien. Tous les films de la chaîne ont été faits avec ça, quoi. Enfin, jusqu'à présent, stabilisé, hein, donc il ne faut pas bouger comme ça. Il ne faut pas scalper les gens. Il faut juste oser sortir son smartphone ou sa tablette et y penser. Merci d'être venu, bon retour, à bientôt. Maintenant que les sujets sont distribués, suivons Christian dans son reportage de la journée. Allez, direction les archives générales du Royaume. Eh bien voilà, on y est, aux archives générales du Royaume. Alors on vient ici parce que dans leurs archives, ils conservent tous les anciens dossiers de la police des étrangers. Et moi, il y a certains étrangers qui m'intéressent beaucoup, un certain Einstein dont vous avez sans doute déjà entendu parler, mais également d'autres savants qui ont séjourné chez nous, comme Auguste Piccard, qui a été le premier dans la stratosphère avec son fameux ballon sponsorisé par le FNRS, ou encore de nombreux autres. Enfin, venez, allons voir. Donc voilà, je vous ai réservé les trois dossiers que j'ai extraits d'un fond de presque 7 km. Ça fait beaucoup de dossiers en fait, la police des étrangers. Ça fait plus de 2 millions de dossiers. 2 millions de dossiers. Oui. On jette un coup d'œil sur Piccard. Gardons Einstein pour le dessert. Donc, il est né le 28 janvier 1884. C'est Tournesol, quoi. Si j'ose dire, je pense que je sais pourquoi Hergé a dessiné Tournesol de la sorte. Piccard a eu des problèmes avec la justice belge. Il a oublié de renouveler sa carte de séjour. Einstein pèse plus lourd, si j'ose dire. J'espère découvrir, non pas des informations sur la relativité, mais des tranches de vie sur son séjour en Belgique. On était quand même dans une période assez trouble, évidemment. Il ne prend personnellement aucune mesure de protection. Il travaille très tard dans la nuit, laissant souvent ouverte la porte de sa villa. L'accès de celle-ci est très aisé. Le bureau du professeur est au rez-de-chaussée, affront de l'avenue Shakespeare, et une agression pourrait s'y perpétrer avec facilité. Trouver la bonne information, ce n'est pas tout. Il faut encore la rendre disponible et accessible à tous. Je vais repasser ces documents en vue et prendre quelques photos. Je ne vais pas faire un travail d'historien, hein. Je suis que journaliste. Maintenant, on file au Musée des sciences naturelles. Ils viennent de co-signer une très chouette publication scientifique. Et un des chercheurs, le docteur Somal, est disponible à 16h30. Donc, je me dépêche pour aller l'interviewer. Ce sera l'article de demain sur Daily Science. Donc, j'ai besoin de son éclairage, de quelques explications complémentaires. Ça concerne la manière dont les êtres humains se sont installés en Belgique, notamment du côté des grottes de Goyet, dans la vallée de la Meuse, enfin dans un affluent de la vallée de la Meuse. Et leur étude montre C'est une étude génétique sur des morceaux d'ossements. Ça montre qu'il y a eu apparemment deux vagues d'habitats ou de populations qui sont arrivées à Goyet. Mais il va nous le préciser, donc je pense vers moins 50 000 ans par rapport à maintenant, et puis à nouveau à la fin de la dernière glaciation, il y a 15 000 ans. Et ces populations étaient apparemment assez différentes, donc ne venaient pas des mêmes régions et peut-être pas nécessairement d'Afrique. Et ce qui est tout à fait particulier à Goyet, c'est que l'ADN est extrêmement bien conservé, ce qui montre qu'en fait, une partie des hommes modernes sortis d'Afrique sont directement partis vers l'Europe, et qu'après, ils ont été remplacés ou ils se sont mélangés avec une autre vague d'hommes modernes qui, elle, est bien revenue en fait, d'Asie, comme on pensait auparavant. Et pendant que Christian s'intéresse aux os de nos vieux ancêtres, Élise, la journaliste biologiste, a rendez-vous, elle, dans un endroit un peu particulier. Oui, bonjour, j'ai rendez-vous pour une interview. Ici, on effectue des autopsies virtuelles, des reconstitutions 3D de corps pour faire progresser les enquêtes judiciaires ou éclairer des morts mystérieuses. C'est grâce à ces images-ci qu'on peut faire une reconstruction 3D. Et c'est ça qui va beaucoup plus parler aux gens en cours d'assises, par exemple. Le sang est censé circuler, mais là, on voit qu'à un endroit, il s'arrête. Donc si on a déjà une cause de décès probable, un infarctus dû à une thrombose, qu'on n'aurait pas pu mettre en évidence. Bah, qu'on a mis en évidence sans rien faire. On a juste annulé et injecté, donc le corps est encore intact. Être journaliste aujourd'hui, il faut être un peu polyvalent, il faut pouvoir faire des photos, de la prise de son, parfois des vidéos. En particulier quand on travaille pour un site internet où l'ajout de contenu visuel est plus important que dans la presse écrite. Pendant que Élise et Christian sont sur le terrain et que Michel le graphiste surveille la bonne maintenance du site, sous le regard d'un collaborateur inattendu, Raphaël, lecteur pour Daily Science, écrit un article sur un bouquin de chercheurs. Disons que je mets un titre qui doit accrocher un tout petit peu. Et le lecteur de Daily Science, quand il va lire, la lecture commence au verso, il va se demander que se passe-t-il, pourquoi au verso, qu'a-t-on inventé de neuf? Du côté d'Élise, c'est aussi le moment de se lancer dans la rédaction. Ça fait quand même presque 10 ans maintenant que je travaille, donc j'ai commencé à, avec le temps à savoir ce qui intéresse les lecteurs, mais il faut planter le décor assez rapidement et donner envie de lire la suite. Ça, c'est la partie la plus difficile, je trouve. Tant que j'ai pas écrit cette partie-là, je ne sais pas écrire la suite. Je ne quitte pas mon bureau avant d'avoir fini mon article. C'est obligé, sinon j'arrête pas. Le web permet tant d'initiatives que le journalisme n'est plus limité aux médias traditionnels. Il s'adapte, change et son avenir prospère sur la toile de jour en jour pour toucher tous les publics. C'est vraiment nul, c'est trop sombre, c'est trop brun. Qu'est-ce qui est trop sombre, qu'est-ce qui est trop brun? Mais les ptérodactyles. Les quoi, les quoi? Les ptérodactyles. Les ptérodactyles sont trop sombres? Ben oui. Ils sont trop sombres? Ben oui. Et comment vous savez ça? Ben